Bonjour mes béliers, c'est Nati, flash sentimental rapide. Alors, j'espère que vous allez bien mes chéris. On va regarder un petit peu ce qu'on a. D'abord pour les célibataires et puis après mes couples. Voilà. Je vais pousser la photo. Oui, voilà. Alors, merci infiniment pour vos likes, vos commentaires. Votre fidélité, vos abonnements. À droite, vous avez la petite cloche, il faut l'actionner. C'est comme ça que vous avez les nouvelles notifications quand je poste une ou des nouvelles vidéos, en fait. Et puis, merci pour vos likes. Alors, on va regarder mes célibataires. Pardon. Alors, pour certains de vous, vous êtes, pas tout le monde, hein, prenez que ce qui vous parle, mais pour certains de vous, vous avez la tête dans le boulot, la tête dans le travail, on est productif, on a envie de réussir, quelque chose de matériel, hein, finance ou quelque chose de matériel. Et là, vous devez prendre le choix. Il y a un choix par rapport au matériel, finance. Ça peut être par rapport à l'emploi. Voir si vous choisissez une deuxième voie ou pas. Ok, donc vous, pour l'instant, j'ai l'impression, non pas que ça ne vous intéresse pas, mais que vous avez envie vraiment de... C'est un choix, hein. De vous tourner vers votre équilibre, rééquilibrer les choses. S'il faut changer de voie, bah déjà trouver sa voie, si vous l'avez trouvée, et bien voir comment vous pouvez vous réaliser. Ou si c'est quelque chose de matériel ou financier, bah écoutez, voir aussi comment on peut atteindre son but, son objectif. Hein. Mais quand même, vous avez un choix à faire, quelque chose à trancher. Alors, là, ça ne me parle pas d'amour, hein, je vous dis honnêtement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez été déçu par une personne au passé. Et puis là, vous n'avez pas envie de... Pour l'instant, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et redresser une situation financière ou alors faire aboutir un projet. Ça, c'est possible. C'est comme ça que je le vois. On va voir, ouais, l'équilibre. Bon, on va voir si j'ai un deuxième cas de figure ou non. Hein. Des fois, j'en ai qu'un. Hein. Malgré que c'est une générale, des fois, j'en ai qu'un. C'est comme ça, mes chéris, on va voir. Ouais, vous êtes lasse, fatigué d'une personne qui vous a usé, fatigué dans le passé. Et c'est comme s'il y a eu un sacrifice hein, de votre part. Eh bien, c'est pas rose. Par contre, pour certains, vous êtes intéressé par une personne. Alors, pourquoi j'ai déjà l'emprise? Pour certains, vous êtes intéressé par une personne. Prudence. Parce que vous, vous pouvez être fidèle, mais cette personne peut tromper. Il peut s'avérer que c'est une personne qui trompe. Que c'est une personne bah, qui s'amuse un petit peu. Hein. Et donc, peut-être que c'est pour ça au-dessus qu'on doit trancher aussi. Prudence, hein, la personne là que vous allez rencontrer prochainement ou que vous êtes en train de discuter avec, c'est possible aussi. Prudence. Prudence, mes chéris. Alors, il y a deux cas de figure pour l'instant. Ouais, vous avez un projet. Vous avez un projet et vous avez envie vraiment de vous concentrer sur votre vie, vous et votre vie, votre bien-être et d'évoluer. Ben, vous avez raison, prenez le temps. Hein. Pour d'autres, on va voir. Faites
faites attention à la manipulation. Parce que par ennui, justement, on peut tomber aveuglément sur une mauvaise personne. Par ennui. Et s'attirer la foudre, j'allais dire, regardez le dodec. On a la foudre. S'attirer les problèmes. Moi, j'ai pas confiance en celui-là et celui-là. Normal, c'est le diable. Et là, c'est quoi? C'est l'emprise, l'influence. Moi, je sens que c'est une personne avec le 5 de bâton qu'il y a de la concurrence. Je vous dis, c'est une personne qui trompe. Moi, pour moi, c'est une personne qui passe d'une personne à une autre. Voilà. Quand elle obtient ce qu'elle veut, elle s'en va. Et moi, je suis là pour vous, comment vous dire, vous prévenir. Après, vous en faites ce que vous voulez, mes chéris. Mais là, il ne faut pas donner sa confiance comme ça. Il faut être méfiant. On vous demande la prudence, hein. Donc, soyez prudents et prudentes. Et d'autres, en fait, c'est possible qu'ici, on a un projet sur quelque chose du passé. Alors, peut-être retaper, par exemple, rénover la maison de notre grand-père, notre grand-mère, de notre papa, de notre maman. Un projet d'avant. Peut-être justement changement de voie parce qu'on a envie de faire quelque chose qu'on avait envie plus jeune ou il y a un temps hein, et que là on avait oublié tout ça, on s'est écarté de cette voie et que là on revient à cette voie et qu'on a envie de travailler dans cette voie et peut-être passer par directement l'activité ou peut-être se former, vous voyez. Vous avez pas guéri. Il y a de ça aussi. Donc, en fait, là, c'est vraiment... si vous voulez, on se recadre au niveau, je vois bien, de l'équilibre du pro, des finances, du matériel, et au niveau de votre petit cœur, bah, c'est de le guérir. Hein. Après, c'est possible que j'ai des célibataires ici, qu'ils n'ont pas envie d'une relation sérieuse, et voilà, quoi. Peut-être vous hein, que je vois, ça c'est possible, c'est à vous d'adapter mes chéris. Tant que vous êtes honnête avec la personne et que vous ne la faites pas espérer pour rien et que vous êtes honnête avec, ben voilà. Mais sinon si c'est l'inverse, il faut faire attention là. Parce que vous n'êtes pas toute seule, toute seule sur l'affaire. Il y a d'autres personnes, je le vois bien. Il y a de la concurrence. Ouais. Il y a des choses cachées. L'autre cache. Les oiseaux dans l'arbre. Les communications, ça communique. Il y en a plusieurs. Moi, je pense que c'est une personne qui communique avec... Oh, oui, c'est une personne qui communique la communication. C'est une personne qui communique sur les réseaux, sur les sites de rencontres. Et que voilà. Et peut-être qu'il y aura un rendez-vous dans un endroit public. Alors, ça peut être un café, ça peut être un restaurant, ça peut être une terrasse, ça peut être un jardin, ça peut être plein de choses. Ouais. Et puis, vous vous déciderez. Vous verrez bien. Moi, je suis là pour vous dire prudence. Après, ça dépend ce que vous recherchez, vous voyez. Alors, on va faire qui? On va faire mes couples et en relation. Couple que vous vivez ensemble ou pas. Oups. Alors. Mes couples, bélier, je mélange. Ici, c'est l'autre, ici, c'est vous. Donc, à gauche, l'autre, à droite, vous. Mais des fois... Sachez que les énergies sont inversées, donc placez-vous où vous vous retrouvez, voyez, où vous vous retrouvez le mieux.
C'est à vous de vous placer. Où vous vous reconnaissez. Ok. D'accord. Et ici, eh bien, ok. Bah, c'est clair ici, hein. On se redonne une chance et j'ai un nouveau couple. Donc j'ai deux cas de figure, à moins que vous soyez le même cas de figure. On se redonne la chance. Alors, je parle à un couple qui se redonne la chance. Voilà, vous allez faire le choix, on le voit bien, pour peut-être encore vous douter, mais vous allez vous décider à redonner de la chance dans le couple. On le voit bien. Mais après, j'ai quand même la rapidité ici. Donc, prenez votre temps. Prenez tout votre temps. Ça n'a rien, la rapidité, vous savez, ça n'a rien de faire les choses vite, vite, vite. Vite et mal. Ou peut-être que là, c'est trop de... Alors, ouais, d'accord, j'ai compris. C'est trop, en fait. On est en train de, peut-être, trop de générosité, trop de tout, trop de ci, trop de ça. Et donc, du coup, ça ressemble même plus à du naturel, vous voyez. Si vous vous redonnez la chance, laissez le temps faire, laissez le naturel faire. Parce que en fait, il y en a un des deux qui tient à réussir à garder son couple, hein, d'accord ? Je le vois bien ici. Et donc, on a envie de donner tout ce qu'on a. Coûte que coûte. On a envie de convaincre l'autre. Hein. Moi, pour moi, c'est ça. Hein. Et puis, j'ai des amants ici, moi. J'ai des amants et puis, il y en a un de l'autre côté qui doit faire une décision, prendre une décision, mais on préfère s'aveugler et remettre au lendemain. Alors, est-ce que vous allez être ensemble ou pas? C'est ça, le truc. Voilà, parce qu'en fait, vous vous entendez bien. Il y a beaucoup de points en commun. Vous vous faites du bien. Vous apportez de la légèreté, de l'amusement, du divertissement, de la compréhension, enfin tout ça, c'est une renaissance. Mais il y a un choix à faire. Est-ce que vous allez être ensemble ou pas? C'est ça l'histoire. Et ouais, parce que des fois c'est ça qui rend triste, ou alors c'est ça le désaccord en fait. Parce que voilà, parce qu'il y en a un des deux qui ne voit pas pourquoi, parce que tout se passe bien, ne voit pas pourquoi l'autre ne vient pas vivre avec, quoi. Ne quitte pas la personne avec qui elle vit ou il vit, vous adaptez. Mais je vois bien qu'il y a des maîtresses et des amants ici. Et c'est ça qui vous rend triste. C'est ça qui vous gâche, voilà. Ça veut dire qu'on va dire à 75%, vous allez très très bien. Et les 25%, c'est l'histoire de que la personne n'est pas totalement à vous et libre. Après, personne ne nous appartient. Il faut trancher, hein. Il y a la joie, le divertissement, l'amusement. Il y a un travail d'introspection, on réfléchit. Donc l'autre réfléchit quoi faire, vous voyez. Et on lui demande de prendre une décision. Et vous voyez, il y a ici le 5 d'épée, c'est la dualité, les désaccords, les conflits.
Puis elle est triste, elle n'en peut plus, elle en a marre, elle est fatiguée. On a l'impression que bah, qu'on fait tout ça pour rien, vous voyez? Qu'on s'investit pour rien dans la relation. Et vous espérez, bah, amour, que vous soyez son amour unique et qu'il soit votre amour unique, quoi, en fait. Mais là, il faut trancher, il faut discuter. Il faut discuter clairement, même. Il faut discuter clairement. Il y a des choses cachées au fond du puits. Émotionnellement, on est touché, on ne va pas bien parfois. On fait comme le seau, vous voyez, qui descend, qui remonte, qui descend, qui remonte, le yo-yo. Un coup ça va, un coup ça va pas, parce que réellement, bah, y a ça qui gêne, quoi. Ça, c'est clair. Prenez que ce qui vous parle. Hein. Vous espérez que la personne coupe, se décide une bonne fois pour toutes. La solution de vivre ensemble et peut-être même le divorce ici. Donc que la personne divorce, que la personne se sépare. Mais c'est comme si l'autre vous disait, je ne peux pas pour l'instant, peut-être que l'autre a des enfants. Alors là, je vois un château, peut-être des biens. Ouais, vous vous demandez clairement de. Moi, je vais dire que c'est vous, mais c'est possible qu'on inverse les énergies. Hein. Vous demandez clairement que votre autre coupe définitivement, enfin, divorce ou se sépare, quoi. Et vienne vivre avec vous. Que l'autre passe la rive, vous voyez? C'est pas évident parce que l'autre réfléchit beaucoup. Réfléchit beaucoup parce qu'il a gros à perdre au niveau de la famille, s'il a des enfants, des biens. Peut-être qu'il n'y a pas d'enfants mais qu'il y a des biens, vous voyez, ou peut-être qu'il y a les deux. Et voilà. Mais là, c'est sûr que. Moi, je pense que vous allez mettre un ultimatum parce que vous n'allez plus supporter. Vous n'allez plus supporter en fait de passer en deuxième et de que ça soit caché en fait, vous voyez. Vous voulez vivre cette relation en plein jour et pas qu'elle soit cachée au fond du puits. Bon, vous verrez bien, mes chéris, quand même, il y a la solution ici, cette clé-là. Hein. Prenez que ce qui vous parle, mes chéris, c'est un flash sentimental, c'est rapide. Et puis, si vous avez besoin de mes services, vous avez en dessous de la vidéo mon mail pour me contacter, natalia16000nati@gmail.com. Et le couple, bah faites les choses tranquillement, il n'y a rien qui presse, hein. Il n'y a pas le feu, tranquillement, parce que. Je comprends, hein, il y en a un qui veut convaincre l'autre pour réussir à le garder, mais après ça risque de tout gâcher, ça va trop vite. Là, profitez des moments ensemble, vivez des belles choses ensemble, voilà quoi. Parce que j'ai un couple, je vous ai dit au début, qui en fait se redonne la chance. Et après, j'ai quand même un nouveau couple ici, moi pour moi, c'est nouveau, hein. Vous avez entamé la relation depuis peu. Et puis, bah, on essaye de séduire l'autre, on essaye de lui plaire, on fait tout pour lui plaire en tout cas. Et puis, on a repris de la force aussi, hein, certainement par rapport à votre passé ou des situations où vous n'allez pas bien. Et puis là, il y a la renaissance, vous voyez. Ouais. Et l'autre peut-être est très généreux avec vous, c'est vous avec lui ou elle, ou alors c'est vous deux, quoi. Et pour l'instant, c'est bien parti à voir. Après, j'ai un choix quand même. Je ne sais pas pourquoi ça. Je ne sais pas pourquoi ce choix-là. Après, ah oui, ça peut être aussi, voilà, ce n'est pas un choix, mais je pense que c'est ça pour vous. C'est votre mental, il faut le maîtriser, là, ce mental. Vous faites des idées, et puis des films, et puis le mental,
Voilà, alors peut-être vous vous dites, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va fonctionner, j'étais déçue auparavant, nanana. Je vous dis, tranquille, laissez les choses venir, laissez les choses se faire, ne gâchez pas, parce que avec les pensées, c'est terrible les pensées. Les pensées, ça a tendance à devenir réalité, mes chéris. Bon, écoutez, mes chéris, prenez soin de vous surtout. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de mes services, vous avez également mon mail. Et le lien, il est en bleu ciel en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous accédez directement sur mon site. Et vous avez toutes mes formules, tout ce qu'il faut, les tarifs, tout. Voilà, mes chéris, je vous embrasse. À bientôt, mes béliers.